L'année 2017 commence de la plus belle des manières pour les joueurs d'Aix-Maurienne. Une belle victoire contre Rouen lors de leur premier match de l'année à domicile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs d'Aix-Maurienne sont rentrés sur les chapeaux de roue dans cette nouvelle année. Les joueurs de Rouen sont transparents dans le premier quart-temps. Les joueurs d'Aix-Maurienne dominent largement les débats. Et cela se voit au tableau des scores puisque les Savoyards inscrivent plus du double des points de leur adversaire. Score à la fin du premier quart-temps, 31-14 pour les Savoyards. Dans le deuxième quart-temps, les hommes de Sébastien Boson contrôlent le match. L'écart de points reste stable jusqu'à la mi-temps, 55-39 à la pause. Les joueurs de Rouen reviennent des vestiaires avec une meilleure envie et cela se voit au tableau d'affichage puisqu'ils reviennent peu à peu. Score à la fin du troisième quart-temps, 73-59. Dans le quatrième quart-temps, les joueurs d'Aix-Maurienne parviennent à contenir les assauts de Rouen et conservent leur avantage assez conséquent. Fin du match sur le score de 95-84 pour les Savoyards. Ouais, plutôt bien, surtout en première mi-temps. Voilà, après on a réussi à garder quand même l'intensité sur 40 minutes, malgré quelques petites difficultés en deuxième mi-temps, mais voilà, on a gardé le cap et c'est ce qui est très important. L'intensité, que tout le monde a participé. Voilà, on a Gide qui s'est blessé un peu à l'épaule cette semaine, donc je pense que le coach a voulu le préserver pour le reste de la saison. Donc du coup, on sera encore plus au complet. Et vraiment, c'est vraiment très bien, il faut qu'on continue comme ça.